Muriel Robin, le pire est à venir. J'ai très peur. Ah oui, vous avez raison. Oui. Interview Alain Delon. Ah, oh, merde. On ne bouge pas pendant le jingle. Légaliser les drogues douces. Elle trouve l'idée stupéfiante ou elle trouve stupéfiant que cela n'ait pas encore été fait. Muriel Delon... Muriel Delon pense que c'est stupéfiant d'être stupéfait. Pas bien. Sa conception du luxe. Je fais comme les plombiers, je dis il ou elle, tu sais. Comment elle va oui, ce matin va. Sa conception. Elle a bien mangé. Ouais, ça va, ouais. Mais là, je peux pas vous le mettre. Son mari, comment il va? Bah, ça va, il va. Mais là, je peux pas vous le mettre cette semaine. Hein, ça. Pour faire du social, elle augmenterait les salaires ou elle réduirait le temps de travail? Alors, Muriel Robin, c'est, non, mais c'est très gênant. Essaye, fais-le, tu vas voir. Alors, Muriel Robin. Non, mais non. Elle augmenterait. Qu'est-ce qu'elle en pense, Muriel Robin? Le temps de travail. Ah oui. Elle augmenterait le temps de travail. Pour faire du social. Elle est très chaud, oui, c'est plus ce qu'elle dit. C'est que... Donc, mais c'est elle est bien, non, elle est contente d'être là. Bon. Alors, pour taper la frime, elle préférerait rouler sans bornes en Ferrari avec un boudin ou 10 bornes en tracteur avec un top canon. Bah, Muriel Robin préférerait rouler dans une Ferrari avec un top canon. Voilà. Je les mélange, hein, les deux, mais je peux pas prendre l'une ou l'autre. Ça ne va pas du tout. En tant que star, ce qu'elle supporte le moins, c'est être l'objet de toutes les conversations ou être l'objet d'aucune. Bah, Muriel Robin supporte pas de ne pas être un sujet de conversation, oui. C'est... Aucune, oui, évidemment. Bon. Bah, je sais pas, je peux même pas l'imaginer. Ouais. Elle commence à bien entrer dans le jeu. Je comprends le truc. Ouais. C'est un peu lent en ce moment. J'ai tout baissé. À la fin, elle va jouer Fabio Montal. J'ai décidé déjà d'arrêter de faire des télés comme ça, donc je pose. Alors évidemment, c'est plus lent. On va se dire qu'est-ce qu'elle a. Qu'a-t-elle le sentiment d'avoir le plus souvent raté? Sa chance, des trains ou des occasions de la fermer? Je crois que quand Muriel Robin l'ouvre, ça, c'est toujours pour quelque chose. Oui. Je comprends pas bien votre question. Mais Muriel Robin n'aura jamais de train, non plus. D'accord. Bah. Ah ben ça y est. Ben nous y sommes. Sur le truc, il y a ça y est, t'arrives. On n'a rien à foutre. Après, ce qu'il faut, c'est les faire redescendre. Voilà. Parce que là, elle est bien partie. Elle se prend pour Muriel Robin. Debout et monter sur le truc. Voilà, alors après, il faut calmer le jeu. On passe au commerce du sexe. Est-ce qu'elle est pour la réouverture des maisons closes ou pour la fermeture des boîtes à partouzes? Non, Muriel Robin pense que les boîtes à partouzes... C'est très agréable à dire, ça aussi. C'est très drôle, j'adore dire des mots que je dis pas souvent, pas tous les jours c'est en tout ça. Cas. Ça fait une sortie. Hein. Ça fait une petite sortie, ouais. Voilà. Non, pense que la ferme, non, que les boîtes à partouzes, je me souviens déjà plus de la question. Donc, qu'il faut en tout cas alors, qu'elles soient ouvertes et les maisons closes aussi, bien d'accord. Sûr. D'accord. Il faut tout ouvrir, Muriel Robin pense qu'il faut ouvrir. Parce que Muriel Robin est elle-même très ouverte. Ouais. Ça fait à personne. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.